Ouais. Le 10e arrondissement, les rues, donne-moi les rues. Et Louise est en ligne avec la PP. Reste au bureau et tu regroupes tout le monde. Il y a une équipe au Stade de France et l'autre dans Paris, ça a attiré Ruby Chat au Carillon, rue de la Fontaine au Roi. Séverine, tu pars au Stade de France avec ton équipe. Les terroristes sont entrés au Bataclan, en plein concert. On est évidemment préparé pour ça. Mais ceux pour qui la charge émotionnelle est trop importante peuvent se mettre sur le côté. Je veux pas qu'on laisse place à nos émotions personnelles. Okay. Aux dernières informations, il y aurait 2 terroristes en fuite dans Paris. Je veux que le moindre type qui a eu un comportement bizarre dans les dernières 24 heures soit en garde à vue. Arrête-toi ! Lâchez-la ! Faisait quoi le soir du 13 novembre ? Tout ce que je peux vous dire, c'est que la main qui vous frappe, elle va encore vous frapper. J'ai reçu un coup de téléphone pour une autre livraison d'armes. Tout est lié. C'est quoi son nom? Personne ne le connaît, on n'a rien sur lui. Comment vous l'avez récupéré l'adresse? Je l'ai suivi. Vous avez travaillé en dehors de toute procédure. Non mais reprends-toi là, rassemble-toi, moi j'ai besoin de toi. Comment c'est possible que vous n'ayez rien? Ça fait 3 jours maintenant. Je sais où sont les 2 terroristes.